حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، فهدى الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. Mes chers frères et sœurs, toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le glorifions et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, car celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide, il n'y a personne pour l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, il n'y a personne pour le guider. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au début de sourate Al-Kahf, Alhamdulillah, louange à Allah, celui qui a révélé le Coran, alladhi anzala ala abdihi al-kitab, celui qui a révélé le Coran sur son serviteur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا sans le moindre détour, une révélation d'une grande rectitude pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense. La semaine dernière, on a parlé, on a évoqué ensemble les péchés qui peuvent provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et les péchés qui peuvent aussi être une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre son châtiment et sa punition. Aujourd'hui, nous allons parler des actions qui nous mène vers le bonheur. Les actions qui sont source de réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans surat al-Asr, cette surat, Imam Shafi'i nous dit, si seulement on médite cette surat nous suffit. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a regroupé les clés de la réussite pour toute personne qui cherche la voie du bonheur. Allah il nous dit والعصر إن الإنسان لفي خسر. Allah il jure par le temps. Il dit والعصر, par le temps. Le temps dans lequel nous accomplissons nos démarches, nos activités, le temps que nous passons à adorer Allah subhanahu wa ta'ala ou pour faire toute autre action, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la notion du temps. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par quelque chose, c'est pour nous montrer son importance. Et ensuite, Allah, il nous dit, « Inna l'insana » La fichus. En vérité, tous les hommes se dirigent vers la perdition. Tous les hommes, sans exception, sont dans la perdition. La fichus. Et ensuite, il nous dit, illa alladhina amanu. Et là, il fait l'exception. Et il cite quatre choses.
quatre caractéristiques. Illa alladhina amanu. Allez, sauf ceux qui ont la foi, ceux qui ont la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilu salihat, et ceux qui font des bonnes œuvres, wa tawasaw bil haqq, ceux qui se recommandent mutuellement la vérité, wa tawasaw bis sabr, et ceux qui se recommandent mutuellement la patience et l'endurance. Si vraiment on médite cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique et il nous montre clairement la voie du bonheur dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté par la foi, car la source du bonheur est dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, celui qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a la foi au jour dernier, au jour du jugement, et cette foi lui permet de vivre avec équilibre dans ce bas monde. Il ne va pas transgresser lorsqu'il vit dans la prospérité, lorsqu'il vit dans la facilité, il ne transgresse pas. Parce que, en général, l'être humain, quand est-ce qu'il transgresse? Quand il se voit indépendant, quand il voit qu'il a la possibilité et la capacité de tout faire. Allah nous dit, Kalla, inna l'insana la yatra, l'être humain est arrogant, arra'ahu starna, lorsqu'il se voit indépendant. Et quand est-ce que l'être humain aussi tombe dans la détresse, dans la colère? C'est quand il est éprouvé. Alors la foi aussi te permet d'avoir cet équilibre-là. Quand tu traverses des épreuves, tu gardes la raison et tu ne décroches pas. Et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. » Le croyant a une destinée étonnante. Pourquoi? Il dit tout ce qui lui advient est bénéfique. Tout ce qui arrive au croyant est bénéfique pour lui. In asabathu sarra'un shakara fa kana khayran lahu. Si il est l'objet d'un événement heureux, il est remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un bien pour lui. Et s'il est victime d'un malheur, wa in asabathu darra'un sabara. S'il est victime d'un malheur, il patiente, il accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il patiente. Il dit « Fakana khayran lah » et ça, c'est un bien pour lui. Dans toutes les situations, il est bénéfique. Il n'est jamais il n'est jamais perdant. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a rassuré les croyants dans le Coran. Allah nous dit, Ala inna awliya Allah, la khawfun alayhim, wa lahum yahzanun. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte et ils ne seront point affligés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Allah nous dit dans un autre passage, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la clé du bonheur, la clé de la baraka, la clé de la tranquillité et de l'apaisement et de la vie heureuse dans ce bas monde est dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La vraie foi en Allah subhanahu wa ta'ala.
Et bien sûr, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala doit être accompagnée de bonnes œuvres, avec des bonnes actions. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la foi, il nous parle en même temps des bonnes actions. Allah il nous dit « Illa alladhina amanu wa amilu salihat » Sauf ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres. Car la foi n'est pas uniquement des paroles que l'on dit seulement, mais c'est une conviction profonde dans le cœur qui se traduit dans nos actes. Cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala doit nous pousser à accomplir des bonnes œuvres, à accomplir des bonnes actions. Et les bonnes actions nous protègent contre le mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sana'i' al-ma'ruf taqi masari' al-su » Les bonnes actions protègent contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense celui qui fait du bien par le bien. « Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan » Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'avoir cet équilibre, de ne pas d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la prospérité et de ne pas tomber dans la détresse, dans l'épreuve. Malheureusement, en cette période de confinement, beaucoup de gens ont recours à quoi ? À l'alcool. Beaucoup de gens ont recours à l'alcool. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais le croyant, il a recours à quoi ? À la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand il lui arrivait quelque chose, la première chose qu'il faisait, il priait. Le croyant, il a recours à la lecture du Coran qui va l'apaiser. Il a recours à l'invocation Zikrullah subhanahu wa ta'ala qui va l'apaiser. Et il a recours à toutes les bonnes actions. Les bonnes actions nous protègent contre le mal. Et là, je profite pour passer un message d'encourager en ce moment qui est difficile pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut s'entraider. C'est-à-dire que le fait que certains ne travaillent pas et qu'ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, on se doit aussi de penser aux autres. Mashallah, et là, je félicite toutes ces associations qui sont, mashallah, actives dans les villes et qui sont là au service des personnes âgées et tous ceux qui sont dans le besoin. On se doit, dans ces moments difficiles, de penser à ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des difficultés. Nous, alhamdoulilah, on est en France ici, on peut déjà dire alhamdoulilah. Il y a des aides qui sont mises en place. Il y a des pays, ils sont en confinement, mais ils n'ont aucune aide. Ils sont contraints de rester chez eux et ils n'ont personne, ils n'ont pas de revenus. Alhamdoulilah, nous ici au moins on te dit tu restes à la maison et tu as ton salaire qui est garanti. Sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et pense à ceux qui traversent des difficultés, ceux qui n'ont pas de quoi manger, ceux qui ont des vrais soucis. On se doit en ces moments difficiles de s'entraider. Naam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit sauf ceux qui ont la foi, amanu wa amilu salihat, et qui font des bonnes œuvres, et ceux qui se recommandent mutuellement à la vérité et aussi à la patience. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à chacun la patience. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء، اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والمحن، اللهم ادفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيدك الخير، يا من بيدك الخير، يا من بيدك الخير، وأنت على كل شيء قدير، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ادفع عنا الوباء والبلاء، ادفع عنا البلاء والوباء وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا وتقبل منا. اللهم قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا الله، ها نحن ندعوك يا الله. اللهم فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا، اللهم استجب لنا كما وعدتنا. اللهم ها نحن تبنا إليك، ها نحن تبنا إليك، وها نحن رجعنا إليك، ندبنا ما فعل ما فعلنا من الذنوب والمعاصي، فتقبل توبتنا وارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. لا ملجأ لنا ولا قوة إلا بك، لا ملجأ لنا ولا قوة إلا بك، لا ملجأ لنا ولا قوة إلا بك. ادفع عنا الوباء والبلاء، ادفع عنا الوباء والبلاء، ادفع عنا البلاء والوباء والأمراض وسيء الأسقام يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا